Nous sommes donc le 23 février 2024, et pourquoi je rappelle cette date, c'est parce qu'elle marque la fin de l'activité professionnelle de Madame Marie-Josée Dilly, qui est à la mairie de Piquigny depuis un quart de siècle, le temps passe vite, et avec qui on va essayer de faire le bilan d'une belle activité. Nous sommes dans son bureau qui surplombe la cour de l'école de Piquigny, là où jadis les gamins jouer durant la classe. Et donc dans ce bureau, plein de dossiers ont été étudiés par Madame Dilly. Aujourd'hui, c'est le moment de faire le point. Je suppose que le cœur va plus vite que d'habitude. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Une page de ma vie va se tourner aujourd'hui. Demain, un nouveau chapitre s'ouvre, la retraite. Mon mari aspire beaucoup parce qu'il est en retraite déjà depuis 2 ans et demi, donc il aspire beaucoup que j'arrête mon activité, quoi. Il avait marre de faire la vaisselle peut-être tous les jours. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Non, 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 mais bon, on va pouvoir faire plus de choses Bien ensemble, sûr, c'est quoi. normal. Et Vous avez les larmes aux yeux quasiment, hein? Hein? C'est vrai, un c'est petit un peu, moment émotionnel, oui, sûr. oui. Madame Dilly, vous vous rappelez la date exacte de votre arrivée en 1999, c'est ça, hein? Je suis arrivée le 4 janvier 1999. Une autre époque, un autre siècle, c'est vrai, hein? Oui. Donc j'étais à l'époque agent du ministère des Finances à Amiens, rue Pierre-Rollin. Je faisais partie des impôts et j'avais demandé un détachement à la mairie de Piquigny. Pourquoi? Parce qu'il habitait pas loin, non? Parce que j'habitais pas loin et que le travail de secrétariat de mairie me plaisait beaucoup. Le contact avec les gens, la diversité des tâches. Et puis, ben, c'est vrai que la proximité du logement, ça fait beaucoup aussi. Vous succédez donc à deux personnes qui, je dois le dire, n'ont pas laissé une grande trace dans l'histoire de Piquigny. C'est ça, Madame Toumine, Toumine et Monsieur Boulin. Boulinguer. Boulingue. Je m'excuse auprès de ces personnes, mais par rapport à la personne qui vous a encore précédé, Morissette Oui. Riflard, il y a quand même une différence. Avec Morissette, vous avez un point commun, c'est qu'elle est restée aussi longtemps. Oui, il est resté longtemps et puis on a gardé des très bons contacts après, puisque elle venait au repas du personnel, Bien etc. Et on sûr. avait des très très bons contacts avec Morissette. Donc elle vous a Madame donné Toumine, je ne l'ai pas connue. nu. Quand je suis arrivée, elle était déjà partie. J'ai remplacé, moi, Monsieur Boulinguer, qui était resté 18 mois à la mairie. C'est peu, hein, pour faire Oui, c'est peu. pour marquer son C'est passage, peu, hein. mais je pense qu'il n'était pas du tout fait pour de la comptabilité publique. C'était pas. Il était très très fort en droit public, Ah, c'est droit différent, ouais. civil, mais la comptabilité, c'était pas son truc, quoi. Quel est le maire de l'époque? C'est Monsieur Romain Zurek, je suppose. Donc c'était Monsieur Romain Zurek, avec qui j'ai parfaitement collaboré pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans, quoi, jusqu'à temps que José arrive à la mairie. On a bien travaillé ensemble, on s'est bien entendu, c'était parfait, quoi. On C'était peut dire que les deux parfait. maires, ils étaient différents sur le plan du cheminement, sur le plan du caractère, mais au niveau de l'investissement dans la mairie, ils se ressemblaient beaucoup, hein. Oui, très. Hein, c'est ça, hein. Oui, beaucoup. Après, ce sont des maires qui aiment leur commune, quoi. Bien sûr, c'est Et qui important. s'investissent pour le bien-être des gens et comment des habitants et tout ça, quoi. C'est vraiment un investissement journalier, continuel, Tous les jours, il était là, tous les jours, comme José comme Herbet. José, tous les jours présents. C'est pas pesant quand on a la responsabilité de secrétaire de mairie, puis voir le maire tous les jours venir voir quasiment ce que vous faites finalement. Non, 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 c'est même rassurant parfois parce qu'on a besoin des fois d'un conseil, même d'une signature. Donc c'est rassurant que le maire soit là, quoi. À l'époque, en 99, en quoi consiste vraiment votre travail? Et au fil du temps, comment il a évolué? En 1999, c'était moins l'informatique déjà. Oui, on y reviendra après, oui. Oui. Et le travail, il a beaucoup évolué parce qu'on a perdu énormément de tâches administratives qu'on faisait. On a perdu notamment les fiches d'état civil, les permis de chasse. Hein, on a perdu. Ah bon, c'est plus vous qui vous Non, non, non. occupez?
C'est comme récemment, il y avait le recensement. Le recensement, maintenant, c'est fait beaucoup par Internet. Oui, beaucoup par Internet. Hein. Et puis, bon, au fil du temps, on dépend maintenant de beaucoup de plateformes informatiques. Donc, eh ben, on dépose tous les dossiers sur des plateformes. On n'a plus beaucoup de contact avec les autres administrations. C'est ça, c'est contact avec l'ordinateur. Contact avec l'ordinateur, voilà. C'est pas forcément la bonne meilleure chose. Des choses. Non. Internet a tout changé finalement. Oui. Oui, le relationnel. Surtout dans les mairies. Ça a beaucoup changé le relationnel et tout. Même maintenant, les habitants, ils ont besoin d'un imprimé, ils vont chercher sur Internet. Ils ne viennent plus forcément en mairie. C'est ça, la population de ce côté-là a évolué. Oui. Oui, oui. Avant, ils venaient vous voir. Moins de contact aussi avec la population. Moins de contact. Oui. Donc on s'est moins enguirlandé. Quand c'est comme ça, non, ou moins félicité. Non, non. Après, les gens ils sont gentils à Piquigny. Ouais. Nous, justement, on ne voit pas que la population de Piquigny, oui, en même temps, oui, très, très excellent. Bon, excellent. Ouais. J'ai toujours essayé de rendre service aux gens, essayer de les satisfaire. Quand je n'ai pas pu le faire, c'est parce que la réglementation ne me le permettait pas. Parce que vous êtes soumis à respecter sûr, le texte. Bien hein. sûr, bien sûr. Et sinon, si j'en ai déçu certains, je m'en excuse. C'était pas volontaire. Et donc Internet a tout changé, pas forcément bien, mais c'est comme ça. La population de Piquigny n'a pas tellement évolué, toujours environ 1300 habitants. Hein, donc, oui, c'est rare. Oui, hein. oui. Ça a même une tendance à une petite baisse. Une petite baisse. Oui. Mais ça, c'est général, hein. On fait moins d'enfants, pas qu'à Piquigny. Oui, hein. oui, oui, hein. C'est pas Michel Denis, le caméraman, qui va dire le contraire. aujourd'hui, vous partez, vous avez le sentiment que vous auriez pu mieux faire encore, qu'il y a des choses que vous n'avez pas faites, que vous auriez voulu réaliser. Après, on peut toujours mieux faire. Oui. Mais. Des fois, par manque de temps, on ne peut pas toujours faire les choses qu'on aimerait faire. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Il y a une réglementation et tout. Des fois, la réglementation, elle paraît aberrante par rapport à la réalité du terrain, quoi. Mais après, on ne peut pas faire autrement. Est-ce que vous assistez régulièrement aux réunions du conseil municipal? Oui. C'est une obligation ou c'est pas forcément obligatoire? Non, c'est pas obligatoire. C'est vous qui avez tenu à participer? Oui, bien sûr, parce que fallait faire les comptes rendus, les délibérations à envoyer à la préfecture. Donc, ça m'a pas gêné du tout, j'en ai raté très très peu. Très très peu. En 25 ans, peut-être une fois ou deux où j'étais malade, mais j'en ai raté très très peu. Quand vous arrivez en 99, il y a les cantons, mais il n'y a pas de com, il n'y a pas tous ces... Service La Comdécom, si, elle existait déjà. Aujourd'hui, elle est quand même très pesante. Oui, comme... aujourd'hui, elle est beaucoup implantée. Et puis, c'est ça, hein. Elle a pris beaucoup de compétences aux communes. Quoi. C'est ça. Avant, les compétences étaient communales, maintenant, elles sont communautaires. Forcément, par la force des choses, la communauté de communes a plus d'impact sur bien les sûr. Communes. Bien sûr. Piquigny, vous n'avez pas dit le contraire, c'est un village qui est bien géré. Il y a plein d'associations qui peuvent s'épanouir. On peut rêver mieux que Piquigny. Ouais. Bon, non, les gens, je pense, sont heureux ici. Il y a une belle école, il y a les transports, il y a le train, c'est une belle commune. Il y a des commerces. Il y a des commerces également. Médecins, pharmaciens, oui. Bien sûr. Piquigny, il y a beaucoup d'associations quand même pour les jeunes, les moins jeunes. Non, Piquigny, c'est une belle commune, c'est un beau bourg, et puis c'est pas très loin d'Amiens. En plus. Piquigny, c'est une belle commune. Est-ce que dans votre tête, vous êtes dit, c'est fini, ce soir, j'ai bu le dernier café avec le maire, ouais, mais c'est fini, j'arrête définitivement. C'est quand même, qu'on le veuille ou non, un moment particulier dans la vie d'une personne. Non, écoutez, j'ai proposé à José, si vous voulez bien, il va y réfléchir, c'est que je voudrais bien par la suite venir, par exemple, bénévolement, une journée par semaine ou tous les 15 jours, pour aider la population sur Internet à faire des démarches administratives. Oui.
Et donc, j'aimerais bien faire ça, pour garder du contact. Une excellente idée, parce qu'à Pigny, il y a quand même beaucoup de personnes qui maîtrisent mal l'Internet. Et même quand on maîtrise bien, il y a des lacunes. Je pense que José ne refusera pas. Hein. Donc, j'ai proposé à José, il va réfléchir. Et ça me permettrait de garder un petit lien avec la population. Bien sûr. Avec une activité, quoi. Vous reverrez à Pigny, donc c'est certain, de par cette nouvelle activité, mais aussi il y a des manifestations comme le 14 juillet, comme les vous serez présente. Oui, bien sûr. Hein? Bien sûr que je viendrai aux manifestations comme avant, quoi. Si dans votre tête, à bout de 25 ans, il vous reste un beau souvenir, ce serait lequel? Dans 25 ans de carrière, quelque chose, un mariage ou je sais pas moi, une cérémonie qui vous a marqué? La cérémonie qui m'a beaucoup touchée, c'est quand j'ai reçu la plaque de la ville. Au moment des vœux. Au moment des vœux. Vous le saviez pourtant, non? Non? Je l'ai su pas très longtemps avant. Ah bon? Non, je ne savais pas. Vous méritez amplement, bien sûr. Donc c'est une cérémonie qui m'a beaucoup touchée et j'en suis émue, quoi. Alors, votre départ, bien sûr, il n'est pas brutal, parce qu'il y a une transition qui s'est faite naturellement. Oui. On sait qu'aux côtés d'Isabelle Marlot, qui travaille avec vous depuis déjà pas mal de temps. Isabelle Pouy. La dame qui vous remplace, Madame Angélique Leplay, vous avez l'occasion de travailler avec elle. Oui. Vous êtes persuadé que Pigny va continuer à aller sur de bons rails. Oui, Angélique est arrivée le 15 janvier, elle venait déjà d'une commune, c'est ça. Donc elle a la maîtrise, des affaires communales, quoi. Bien sûr. Donc après, bien sûr, les dossiers, il faut la mettre au courant des dossiers en cours. Après, la manière de travailler, peut-être qu'elle n'aura pas la même méthode que moi, chacun sa méthode, chacun... Mais je pense que ça va aller. Dites-moi ce qu'allez-vous faire pendant votre retraite. Vous avez déjà... Alors déjà, je vais faire un petit peu d'activité physique parce que j'en ai pas fait beaucoup depuis. Je vais essayer de faire de la marche et du vélo. Très bien, très très bien. C'est pas bon. Et puis, je voudrais bien faire aussi aller un petit peu à la piscine, enfin régulièrement. Et puis, on va voyager avec mon mari. On a décidé qu'on allait visiter quelques capitales d'Europe. En Autriche, Berlin, on va faire quelques capitales d'Europe déjà. Et puis on va aller voir de la famille dans le sud qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Et voilà. Donc on va se promener un petit peu. En tout cas, après, j'ai mes enfants, mes petits-enfants. Donc il n'y aura pas de moment creux. Hein. Non, je pense pas. Madame Marie-José Lili, je vous souhaite... bonne retraite, et puis je suis persuadé qu'il y aura encore de belles journées pour vous et la famille. Merci beaucoup.